Nous, le mouton, tu attaches le mouton devant ta porte. Les gens vont penser que tu as acheté le mouton. Pourtant, non. Parce que dans ce pays, on parle trop. Mon frère. Oui. Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? On peut louer le mouton à 500 francs. Exactement. Mais pourquoi? L'heure. Mon frère, je vais louer le mouton. Parce qu'il faut que j'impressionne les gens du quartier. Du genre, j'ai acheté un mouton pour la Tabaski. Tu as tapé à la bonne porte. Merci, mon frère. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Une heure. D'accord. Donc, je vais l'attacher. Ça marche. Mon ex va lire. Ça veut dire que son papa n'a pas l'argent pour acheter des moutons. Même poulet, même pour la tabaski, son papa peut pas acheter. Toi, tu es vilain. Je vais l'impressionner. En parlant du lion, on voit sa queue. Voici mon ex même qui arrive comme ça. Regardez ce qui va se passer ici. Mon ex, toi, si tu as acheté des moutons pour la tabaski, quoi? Tu crois que quoi? Moi, il y a l'argent, hein. Nous, c'est mouton tu pour la tabaski, hein. Non, on a l'argent. C'est pas, je suis humble, hein. Sinon, c'est beau, j'allais acheter. Mais ne pense pas que tu as goûté lui là, hein? Jamais. Et puis tout de suite là, mais il m'a acheté sa nourriture. Lui là, il m'a un hamburger, hein? Il m'a un poulet. Mais tu n'auras pas un morceau. Ah bon? Même testicule, tu n'as pas à voir. Aïe. Tu n'auras rien, même poil là, tu n'auras rien. C'est tous. Ok, merci. Les gros de. Si le mouton disparaît, c'est que si le protège vient prendre son mouton, mon ex va venir me demander. Il a dit, mouton est dans la sauce. Aïe, mi. Venez. Regardez ce qui va se passer ici. Jésus. Mais, c'est quoi ça là? Le mouton, il est où? Ah, moi, je ne sais pas. Attends. J'espère que ça n'a pas été volé. Voilà, c'est ça. Là, je suis foutu. À la une heure sont arrivés. Où est mon mouton? En fait, je vais tout expliquer. Attends, c'est là le problème. Tu vas m'expliquer quoi? Mon gars. Je veux mon mouton. Oui, en fait, j'ai attaché le mouton sur cette table-là. Uh-huh. Je suis rentré. Uh-huh. Quand je suis ressorti, je vois que le mouton n'est plus là. On dirait que quelqu'un l'a volé. Tout est gâté. Hey, c'est pas mon problème. Soit tu me donnes mon mouton, soit tu me donnes 150 000 francs. C'est le prix. Non, pas d'explication. Je veux mon mouton ou rien. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il a pris le mouton pour louer. Maintenant, l'heure est arrivée. Je viens pour récupérer mon mouton et le mouton n'est plus. Oh, pays. Donc, le mouton que j'ai vu avec toi là, tu avais loué. Tu sais, ça ne m'étonne même pas de toi. Allez. Toi, tu vas mourir dans le mensonge et puis dans l'escroquerie. Mon frère, tu sais ce que tu vas faire? Oui. Appelle la police. Yeah. Ces gens de délinquants là, ils ne doivent même plus rester à la maison. Appelle la police parce que c'est son travail. Hein. Il ne va pas te remettre ton mouton parce qu'il n'a rien. Alors, on va s'expliquer au commissariat. Oui. C'est toi qui n'as rien et puis tu veux impressionner les autres. Encore moins ton ex. Viens ici. Hey. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. On va aller s'expliquer au commissariat.